Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on poursuit notre let's play de Asgard Wrath. Allez, on va essayer d'avancer un petit peu. Bon, on récupère pas plus de choses, je crois que je suis full. J'aurais peut-être dû d'ailleurs aller vendre tout ça, c'est pas grave. On poursuit notre avancée. Et c'est toujours aussi impressionnant. Yeah. Là aussi je suis full, très bien. Yeah. Mon épée est classe d'ailleurs, il faudrait que je vois si je peux pas la payer aussi un petit peu. Va et quitte ce monde, mon frère. Ouais, tout à fait. Incroyable. Incroyable. On dit que la grande colonne repose sur l'une. Elle repose sur quoi? On n'a pas compris. Ah, c'est chiant ce Virtual Desktop. Je suis obligé de passer par Virtual Desktop donc pour pouvoir jouer au jeu Oculus. Et malheureusement, on peut pas le faire fonctionner. Enfin, on peut le faire fonctionner en filaire, mais ça ne sert à rien. Ça n'améliore pas les performances. Donc c'est bien dommage. Alors que avec l'appli Pico, ça fonctionne bien, mais y a que les applications Steam, les jeux Steam. Alors, c'est Hop, camarade, mais c'est un triste jour. Mon peuple a grand besoin de ton secours. Ce que je cherche est glacé, c'est bleu petit, et ça aime l'humidité. Glacé, bleu petit, et ça aime l'humidité. Non, c'est rien, un bleu. On va regarder. En partant du principe que c'est toujours ce genre de choses. Ça pourrait être des armes, après tout. Ça, c'est pas petit. Hein. Et ça aime l'humidité. C'est pas un saphir. Range le glacier, ça peut pas être ça, c'est un truc élite, ça coûte super cher ça, non? Minerai d'argent, non? Champigel peut-être? Eh, ça aime l'humidité les champigels, non? Tu as trouvé! Me voilà comblé! Prends cette récompense et ma dette sera payée. Très bien, pièce d'argent et aiguille en or. Ça, il va nous en falloir d'autres, hein. C'est pour agrandir à chaque fois mon inventaire. Et d'ailleurs, je crois bien que je dois pouvoir l'agrandir encore. Maintenant, je vais en avoir deux. Un œil dégueu. Œil de Lindworm. Des minerais, des lampeaux. C'est parfait. Bon, bah. Allez vers le grand feu. Allez vers le. Ah là là, allez vers le grand beffroi, voilà. Cœur de Ogni, allumé, amulette sacrée, je crois qu'il m'en fallait pour monter quelque chose, je sais plus quoi. Et il a disparu mon poteau. Et un petit épée. Bon, après cette vidéo, j'irai voir pour essayer de mettre des choses en place. Descendre, allez-y. Moi qui croyais monter. Oh, la colonne est stupéfiante. Tu m'étonnes. Pour être jugé digne d'entrée, les cloches au grand beffroi d'Odin, il faudra sonner. Oh là là. Hélas, ils n'avaient pas foi en moi. Ils pensaient que la magie spirituelle contrecarrait la volonté des dieux. Fie-toi au divin. Mais surveille ton voisin. Exactement. Trouver l'entrée du sanctuaire oublié. Alors ça c'est un petit... Ça marche pas. Ah, mes vieux os. Ah, c'est que j'en ai trop. Ça, c'est un petit conseil que m'a donné un de mes abonnés. Que
que je remercie d'ailleurs beaucoup. On discute pas mal, je me souviens pas de son nom, je te promets de m'en souvenir pour la prochaine fois, parce qu'on discute pas mal sur le jeu et c'est extrêmement intéressant. Il joue lui aussi de son côté et il semblerait qu'on aime tous les deux le même jeu, car vraiment, bah c'est une tuerie de toute façon, on peut pas dire autre chose, hein. Regardez-moi ça, c'est assez fou. Et oui, il m'a donné pas mal de petits conseils qui sont vraiment très intéressants. Comme là, l'idée de... Enfin, si on coupe directement, par exemple, les plantes, eh ben, on a directement accès... Enfin, elles sont directement envoyées dans notre sac. Transformation ! Si tu comptes continuer à aider ce vieux fou, il te faudra d'autres armes dans ta forme divine. Ah bon ? C'est-à-dire ? On va regarder ça. Là, ça va popper, parce que là, je pense qu'il y a quelqu'un qui est mort. Et il va falloir effectivement réussir à passer. Là, on va pouvoir descendre. Oh là là. Waouh. C'est superbe. C'est vraiment très beau. Hein. Oh, on s'y croirait, quoi. Et c'est fou, toi. Une pousse, une main. J'ai cru que j'avançais tout seul, j'allais tomber. Alors... Devenons un dieu. Oh là là, c'est super chouette. C'est vraiment excellent. Alors là, on a de quoi mettre un totem. Ici, il va falloir pouvoir monter effectivement. Oh, qu'est-ce que c'est cool. Toi, tu dois aller quelque part, hein. Et totem partout de toute façon. Là ici pareil. Toi tu vas pouvoir te mettre là maintenant. Par contre je sais pas où est mettre ce totem. Ici. Déjà. Ah. Placer la pièce centrale sur le totem. Donc ça c'était le totem du beffroi. CP central, ouais, intérieur. Et on fait quoi avec ça? Non, on va pouvoir se déplacer partout. C'est super grand en fait. Toucher la cible. Wow. Excellent. Un tir juste ne manque jamais sa cible. Ok. Oh, oh, oh. Frapper les jambes dans l'ordre. D'abord la violette, ensuite la verte. Je pense que c'est ça, hein. Alors, on va essayer de pas se tromper. J'ai plutôt essayé d'aller te choper par là. C'était mon bien raté. Sleipnir, le cheval d'Odin, me guide la grande colonne. Qu'est-ce que c'est chouette. Ah là 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 là. Alors, pour pouvoir amener, réanimer le beffroi, on pourra le faire là-bas, mais c'est déjà fait en fait. Par contre, je pense pas qu'on puisse l'atteindre d'ici. Donc, on va descendre là. Ici, on est TP, où est-ce qu'on va? Ici directement. Ok, de ce côté-là, donc. Pourtant, je l'avais remis droit, le beffroi. Quoi ? Tout comme tu rends la vue à l'aveugle, la chouette révélera les secrets que tu ne peux pas voir. D'accord. Je te donne le pouvoir de transformer une chouette en serviteur. Excellent ! Chercher le signal divin, faut que je retourne là-bas. Alors, ami la chouette, tu es où? T'es en train de voler. Transforme la chouette. Allez, je veux bien, mais... Elle est là. Viens là. Petit.
Puis je suis Sigrid. Que mes yeux et mes tirs soient justes. Sigrid. T'as TP là-bas, d'accord. Ok, Sigrid, pas de problème. Loué soit la générosité des dieux. Une chouette pour me guider. Quel merveilleux augure. Donc elle va me guider. Elle est où ? Sigrid. Laissez-moi me battre pour vous. Ah, oh, t'es cool, Sigrid. Montrez un diapason à Sigrid et elle révélera les secrets cachés. Attaque rafale, tir rapide, déluge de carreaux. Rafale, ouais, rafale, pas fatale. Elle est très cool. Sigrid, le beffroi doit recéler bien des secrets. Il y a sûrement un moyen de traverser. Ouais, donc elle va pouvoir s'occuper de ses... Pourquoi tu restes pas là, toi ? Elle va pouvoir s'occuper de... Ah mais oui, il faut que je te ramène de là-bas, en fait. De ses épées, voilà. Il se passe tellement de choses. On va y aller directement de là, en fait. Toc ! La sagesse est toujours la bienvenue. Et voilà. D'où qu'elle vienne. Si je tire de là... Chier ! Qu'est-ce que tu vois ? Tu vois où ? Il fait remonter ça, c'est tout ? Ok. Bon. Il y a certainement quelque chose en dessous. On ira voir plus tard. On va d'abord faire cette zone. Toi, tu vas aller voir ici. Je dévoile tout ce qui se cache. Arrête. Si certains chemins sont invisibles, le mien est tracé. Le chemin met ma foi à l'épreuve. Mais je préfère ne pas regarder en bas. Ouais, tu m'étonnes. Là, il va falloir une poignée, je n'en ai pas. Je peux pas passer de ce côté-là. À activer avec une arme divine. Que je l'active certainement avec l'arc. Voilà. Ah, ce monde charge ne s'actionnera pas tout seul. Ah, c'est super classe, quoi. Il y a plein de choses à faire. Et donc nous, on se retrouve ici, mais elle n'est pas venue, elle m'a pas suivi. L'armée de Hell approche. Je dois parvenir au pied de la grande colonne pour empêcher son invasion. Ah, j'espère qu'il n'est pas trop tard. Quoi ? Allez-toi. Ça lâche. Ah, mes vieux os. Est-ce qu'il en a laissé l'autre là-bas ? Ça sert à rien, de toute façon, on avait ça. Alors, qu'est-ce que j'ai un coutelas ? Que des coutelas, ça me sert à rien. Du fer noir dans un morceau de métal. Et on voit pas grand chose encore. Tu viens toi ou pas, ami Ouais, je vais pas pouvoir passer ici. Il va me falloir le taureau là. Et le taureau, est-ce que de ce côté je vais pouvoir l'utiliser? Je suis pas sûr. On va retourner de l'autre côté. Parce que là, je peux utiliser la chouette. Et elle, elle est je ne sais où, là. Non.
Eh bien. Ah, après, est-ce que je peux pas, moi, ici, la... l'envoyer, elle? Elle est où? Ah non, elle est trop loin. C'est embêtant, ça. Faut que je revienne, moi? Oh! Bon, bah tant pis, on revient. Signe divin, il est là. Sur les seins, ouais. Bah oui, alors, oui. On t'attend, là. Si tu fous. Qu'est-ce que tu fais, là? C'est sympa, cette histoire. Ah là, mais qu'est-ce que c'est impressionnant. Rien que ces éclairs, là, c'est fou. Rien que les éclairs sont cool. Allez, viens. Viens te lever de ce truc, là. Je pense que tu vas réussir à nous envoyer en face, en fait. Non. Pas du tout. D'accord. Derrière, il y a quelque chose. Non. Hop, hop. Voilà. Ça. Ça ouvre la porte ici. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est chouette. Oh, tac. Ah, il disparaît. Il va falloir le combattre à l'intérieur. J'en ai 5 ici, c'est bon. Allez, on recommence. D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce qu'il faudrait pas mon ami de taureau? Oh, quoique. Ouais, non, 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 ça va être bien ça. Et toi là. Être sans âme, repartez de vous faire. Flamme de doule. Être sans âme. On a pu lutter contre le destin. C'est plus un bouclier, ça. C'est une porte. Ah, mes vieux os. Putain, il faut que je vende le fer aussi. Mes vieux os. Je vais retourner en arrière après. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est chouette. Quelle ambiance il y a. C'est fou. Hein. Une poignée là, et toi, encore un anneau. On m'a interdit d'étudier la magie spirituelle à un pouvoir réservé aux dieux. Mais je savais qu'elle était le seul moyen de protéger Midgard. Dans tous les cas, t'as bien fait quand même. Hein. Donc on peut pas redescendre. Par contre, on est là. Est-ce que... Déjà. Toi je te bloque. Toi je te bloque. Et toi je vais appeler mon ami le taureau. Peut-être qu'il va se pointer. Il va réussir à pousser ça lui. Ouais, tu peux. Montre-moi ce que tu sais faire. Montre-moi. Ah, il est pratique ce petit. C'est le bon gars quand même. Alors il y a quoi là-dedans? Là il va y avoir plein de choses. Il y a un truc avec le requin. Il y a des choses là. Mais il va y avoir des mobs aussi. Allumer rapidement les 4 torches, c'est toujours la même chose. Les torches. Ça je le ferai plus tard. C'est ce truc là. C'est étonnant par contre qu'il n'y ait pas de mobs. Je suis surpris. Alors il va y avoir des trucs avec ces pierres. Hein. La thune. On a fait une doublette.
Hein ? Qu'est-ce que j'entends ? Quoi ? Alors... Le requin peut aller là. Toi, à tu mon peux signal. Pousser ça. Tu vas en faire quoi ? Ah ouais, c'est pour allumer les torches. Ok. Et je pense qu'il va falloir que le requin vienne ici. Pour me faire descendre ces torches-là, par contre. Qu'avons-nous là ? Et bonjour ! Toi, j'ai-t-il à boire ? Qu'est-ce que tu manges ? Ouais, du poisson. Pas de poisson. On avait du poisson tout à l'heure. On avait du poisson fumé. Là. Ah non, je... Ah. À mon commandement ! J'ai pas perdu la main. Ouais, il est toujours présent, le vieux. On n'a rien d'autre ? Si, je peux encore booster un peu. Alors, quand toi t'es monté, t'as fait quoi alors ? Je ne suis pas sûr de pouvoir. Quoi ? Mais si, tu peux. À mon commandement ! Fais l'effort alors. D'accord. Ça, ça va me servir pour quoi ? Pour faire des flammes ? Et alors ? Ouais, je peux pas cramer ça, non, je peux pas. Faut que ça descende plus bas. Comment faire ? Il y a ça, ça c'est un contrepoids. Ouais, mais ça va pas redescendre en fait. Hein. Surtout si je tire aussi mal. Ça brouille ou pas ? Ça brouille pas. Est-ce que j'ai d'autres. D'autres flèches ? J'ai pas des flèches enflammées moi. Ah ouais, et puis il faudrait peut-être d'autres personnages pour pouvoir utiliser sa... Sa hache. Je cherche mes mots, disons, ce soir. ouais. Bon, bah on n'a pas de feu. Par contre, j'ai... Enfin, j'ai vu que je pouvais en construire. Je vais peut-être faire ça, en fait. Une torche, mais est-ce que je peux utiliser la torche ? Allez, je peux... Ah oh putain, ça s'arrête direct. Je vais jeter un œil. Arrête, de faire con, hop. Guide-moi. Utilise ton pouvoir. Ça c'est bien ça, mon bonhomme. À mon commandement. Ah oh là là, par contre oui, c'est pas si c'est trop long. J'ai besoin de tes talents. Ouais, c'est déjà facile, ça va pas du tout ça. C'est trop lent. Ah oui, il me faut des flèches de flamme. Qu'est-ce que je pourrais faire cramer pour pouvoir me faire de la flamme directement ici là ? À mon commandement !
Parce que toi, t'as besoin de rester là, hein. Il faut directement les flèches de flamme, faut que ça soit rapide en fait. Donc là, moi, si j'ai des flèches de flamme, je peux tirer là. Par contre, j'ai. Il faudrait quelque chose à cramer pour que ça reste là. Ah, une torche. Il m'enfile une torche en fait. Au cas où. Je peux peut-être la mettre quelque part par contre, cette torche. Non? Celle-là, je vais peut-être me servir de l'autre au moins pour une là. Utilise ton pouvoir! Toi, tout ça et tu... On va faire ça, on va essayer. Ah, ça marche pas. Ouais, il me faut vraiment des flèches de flamme en fait. Enfin, quel serait mon intérêt de toute façon, parce que là. À mon commandement! Je ne peux pas. À mon signal. T'as perdu trop de temps, vieux. À mon commandement. Si, c'est bon, c'est passé. Camp de tour intact, dents de requin et pièces d'argent. Plus une potion. Très bien. Bon, bah ouais, on a fini cette zone, alors c'était juste pour ça. D'accord. Ok. Bon, eh bien, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. Je vais retourner, moi, chercher ce qu'il me faut. Booster un peu mes personnages, faire tout ce que j'ai à faire, vendre un peu aussi, parce que là, je suis en train de récupérer des choses qui me servent à rien, c'est un peu dommage. Et je pense que prochaine étape, on va faire tout ce côté là-bas. Hein. Et pour y aller, on va se servir de cette zone-là. Allez, hop. Toc. Toc. Asgard. C'est parti. Eh bien, écoutez, je vais donc vous laisser. Vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne et agréable journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt. Allez, au revoir. On s'arrête en noir? Non, tout de même. Ah bon, un coup avant tout. Il est énorme. Il est énorme. Il n'arrêtera jamais de m'impressionner. Alors, tu as rencontré la grande Heimdall et tu es encore en un seul morceau? Tu fous pas de moi, toi. Je vois que même un être divin... Allez, à bientôt. Ouais. Eux, ils ont l'air de savoir où est le marteau de Thor, j'ai l'impression. Hein. Allez, à bientôt. Oh.